Stéphane Bellavance, papa de deux jeunes garçons de 4 et 6 ans. Enfin! Enfin 4 et 6 ans! Terminer les couches! Terminer le petit matelas sous le matelas qui va m'avertir si mon bébé arrête de respirer! Terminer les poussettes! Terminer les parcs! Terminer les 112 cache-couches que je dois amener pour une seule soirée chez les grands-parents! Tu te dis que pour un petit brunch, tu vas avoir assez de couches avec ça. Ça se peut que non! Vous, futurs nouveaux parents de petits poupons, je sais, vous entrez dans un magasin d'articles pour bébé et vous succombez sous la culpabilité. Vous vous dites, si je suis un bon parent, ça me prend la poussette qui a été dessinée par un designer qui a été approuvée par un ergothérapeute et toutes les mamans du monde, et elle coûte 1500 $, mais hey, c'est 1500 $ pour mon enfant. Ça coûte cher. Un conseil, en fait, un avertissement à donner au papa qui écoute présentement. Je vous annonce officiellement que vous êtes des mules. Toi, si tu soupes chez grand-papa, si tu vas voir mon oncle ou ma tante, tu vas transporter tout ça dans ta magnifique minivan. Oui, je sais, ça me fait rire. Moi, je n'ai plus. Mais toi, tu as une minivan, possiblement, parce que tu t'es dit pour que pour transporter tout ce matériel-là, ben, ça prend quand même une minivan et peut-être même une remorque derrière. Une mule. T'es rien d'autre qu'une mule. Vous êtes l'expert pour votre enfant. Personne d'autre que vous sait quoi faire. Vous êtes le meilleur parent qui soit pour votre enfant. S'il vous plaît, écoutez-vous et non pas le petit guide ou le voisin ou la grand-mère. J'ai une petite pensée pour les papas de jumeaux. Double mule.